Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités et chers amis, bonsoir. Nous sommes très honorés de vous accueillir ce soir au siège de l'UNESCO pour cette belle occasion afin de partager ce moment exceptionnel consacré à la célébration du 650e anniversaire de la naissance de Imad ad-Din Nasimi, grand poète spirituel, érudit et penseur azerbaïdjanais. Chers invités, avant de commencer la séquence musicale, je déclare la partie officielle ouverte et invite sur scène à prendre la parole Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Karimov, ambassadeur délégué permanent de la délégation d'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO. Bonsoir. Monsieur Ernesto Otone Ramirez, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture. Madame Nada El-Nashif, sous-directeur général de l'UNESCO pour les sciences humaines. Madame Sevda Mamadaliyeva, vice-ministre de la culture de l'Azerbaïdjan. Excellences, chers ambassadeurs, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je suis très heureux de vous accueillir ce soir au siège de l'UNESCO pour la célébration du 650e anniversaire de la naissance de Imad ed-Din Nasimi, grand érudit, poète et philosophe azerbaïdjanais. Je voudrais adresser mes chaleureux remerciements au ministère de la Culture d'Azerbaïdjan pour son soutien et UNESCO pour sa coopération dans l'organisation de cette soirée qui est organisé en accord avec le décret du président de la République d'Azerbaïdjan par lequel 2019 a été déclaré en Azerbaïdjan l'année de Nasimi. Il est agréable de souligner que plusieurs événements culturels, littéraires et scientifiques ont eu déjà lieu dans le pays et continuent à être organisés. En plus, il est prévu de planter jusqu'à la fin de l'année 650 000 arbres à l'honneur de l'anniversaire de Nasimi. En Azerbaïdjan, Nasimi a joué un grand rôle dans l'enrichissement de l'environnement littéraire, mais également ses idées et visions ont influencé la littérature mondiale en mettant l'accent sur le homme parfait et les valeurs humaines. Dans ses œuvres, il promouvait l'humanisme et l'éducation pour tous, car l'homme éduqué qui pouvait découvrir l'univers et ses mystères. Nasimi menait également la lutte contre l'extrémisme, en appelant les gens à la fraternité et de la paix. Justement, sa capacité d'écrire ses œuvres en azerbaïdjanais, en arabe et en persan, avait contribué à la diversité culturelle et la promotion de ces idées humaines dans d'autres régions du monde, en favorisant la coopération culturelle entre le peuple et le développement de l'environnement scientifique. À cause de ces idées, il fut persécuté et finalement exécuté, mais reste dans la mémoire de l'humanité en tant que fervent défenseur de la liberté, des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Alors que ses œuvres et ses idéaux sont raisonnés avec le mandat fondamental de l'UNESCO et sa mission, nous estimons qu'il est très important de célébrer l'anniversaire de cette personnalité exceptionnelle à l'UNESCO. Les pensées de ces grands poètes sont actuels même aujourd'hui. Au sein de notre honorable organisation à l'UNESCO, nous menons le combat contre le défi du monde actuel qui sont analphabétisme, ignorance, pauvreté, extrémisme, terrorisme, menace à la paix, etc. En s'adressant aux idées de Nasimi, nous pouvons être efficaces devant ces défis. C'est pourquoi je pense
que nous, en tant que l'UNESCO, avons besoin plus qu'avant de profiter des pensées de grandes personnalités intellectuelles comme Nassimi et d'être solidaires face aux défis auxquels nous sommes confrontés. En revenant sur cette soirée musicale, je voudrais vous informer que vous allez écouter le mélange de musique contemporaine et traditionnelle comme Mouram inspire de poèmes de Nassimi. Le Mouram, comme vous le savez bien, est un genre musical traditionnel reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2008. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Chers invités, à présent, j'invite sur scène à prendre la parole M. Ernesto Otone Ramirez, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture. Votre Excellence, Monsieur Anar Karimov, ambassadeur délégué permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO. Ce n'est pas ma voix, je suis enrhumé, désolé. Excellence, Mesdames et Messieurs, au nom de la Directrice Générale, je suis ravi de vous accueillir au siège de l'UNESCO pour cette exposition et ce concert commémorant les 650e anniversaire de la naissance d'Imadeddin Nassimi. Nassimi était l'un des plus grands poète, mystique et penseur de la fin du XIVe et du début du XVe siècle. Mettant en valeur une grande richesse de plusieurs langues, dont l'azerbaïdjanais, le persan et l'arabe, sa poésie parle de l'universalité de l'amour, à la fois sur le plan personnel et sur le plan spirituel. Nassimi était avant tout un humaniste, à la fois par son engagement en faveur de la tolérance, comme il a été dit, et par sa conviction de la beauté et de la valeur de chaque vie humaine. Cela résonne profondément avec le mandat de l'UNESCO, promouvoir la paix et la compréhension en rassemblant les peuples autour de valeurs et d'aspirations communes. Ce soir, nous aurons le plaisir de vivre la poésie de Nassimi d'une manière tout à fait originale, à travers un concert qui associe musique électronique et mougam azerbaïdjanais traditionnel, une forme d'art musical inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2008. Bien que 650 ans se soient écoulés depuis la naissance de ce grand artiste et penseur, l'universalité de sa poésie continue à nous émouvoir et à nous inspirer. Je ne saurais citer de meilleur exemple du pouvoir de l'art que sa personne. Donc je remercie le ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan et la délégation permanente de la République d'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO d'avoir rendu possible la présentation de ce spectacle à l'UNESCO. Je vous remercie également par votre détermination à partager les paroles et les valeurs de ce grand artiste avec le monde entier. Je vous en remercie à nouveau. Merci. Chers invités, veuillez maintenant accueillir Madame Sevda Mamadaliyeva, vice-ministre de la Culture de la République d'Azerbaïdjan, qui prononcera un discours. Dear guests, dear ladies and gentlemen, allow me first to welcome you all and thank you for being with us tonight. We are gathered here to commemorate the great Azerbaijan poet, mystic, philosopher, and outstanding thinker, Imadeddin Nassimi, a man whose words and wisdom pass through centuries and illuminates us today. Nassimi is one of the first poets to write in Azerbaijan literary language.
He is also of first divans, collections, and rhymes. In his literature, Nasimi promoted the truth of all sacred books, but his views are beyond any religion. The poetry of Nasimi promotes the philosophy of Sufism, shows the unity of man with the world and the universe, explains ways leading to the perfection of the soul. The poet is inspired by divine love and praises the man who achieves spiritual perfection. He proclaims the human, a supreme being, the center of universe. Even when Nasimi was sentenced to death in Aleppo, he did not change his humanistic belief in the power of the human. 6 centuries have passed after the death of Nasimi. His spiritual influence and legacy spread well beyond any borders. Today, many people are the followers of his philosophy, no matter which region or country they come from. His works have influenced the creativity of many writers, poets, artists, performers, and thinkers in Azerbaijan and beyond. Scholars and academicians in Europe, Asia, America, and other regions dedicate years to studying of his works and life. Many books are dedicated to exploration of his philosophical thoughts. The last of them, a book by German scientist Michael Hess called Two Worlds Can Fit Into Me, I Cannot Fit Into This World, presented at the second Nasimi Festival this year. Let me welcome Michael Hess, who is going to speak later on. Today, many efforts are made to preserve the memory of Nasimi. In 2007, UNESCO officially celebrated the 600th anniversary of the poet's death within the program of commemoration of historic events and eminent personalities. To celebrate the 650th anniversary of birth of the poet, the President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, proclaimed 2019 the years of Nasimi. Many events took place during the year, including different concert festivals, performances, and shows. The most famous of them was concert held at the opening of the 43rd session of the UNESCO World Heritage Committee in Baku. The single Nasimi, performed by famous Azerbaijan singer and composer Sami Yusuf, became an international cultural phenomenon and scored over 1 million views. Another event was the Nasimi Festival of Poetry, Arts, and Spirituality, which is already second year brings together different scholars, musicians, and thinkers in Baku, gives a strong message to expand the ideas of dignity and compassion up to their modern manifestation. Dear friends, it is my great honor to present you today a concert named Bahariya, which was inspired by genius of Nasimi and is based on his poetry. The concert is a mixture of electronic music and sounds of Mugam, an element of intangible heritage of UNESCO, and one of the 31 music compositions sent to open space on board of Voyager spacecraft. During this performance, you will also see the fragments from Nasimi movie of 1973. This mystic concert will help you dive into the divine world of poetry of Nasimi and touch the philosophical thoughts of his genius. Thank you. Et pour finir, j'invite sur scène à prendre la parole Dr. Michael
Reinhard Hess, chercheur et enseignant à l'Université de Gießen en Allemagne et chercheur renommé de NACIME. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir. J'ai le grand honneur de vous présenter quelques informations essentielles sur le grand poète azéri Nassimi, dont la République d'Azerbaïdjan célèbre en cette année le 650e anniversaire. L'importance de Nassimi pour l'histoire culturelle d'Azerbaïdjan se résume dans au moins quatre aspects majeurs. Premièrement, il est une figure littéraire particulièrement éminente. Même s'il n'était pas le premier poète qui utilisait la langue azérie, sa contribution pour le développement de cette langue fut hors de pair. Écrivant non seulement dans sa langue maternelle, mais aussi bien en persan littéraire et arabe classique, Nassimi réussit à introduire à la littérature azérie pour la première fois tout le diapason du système métrique islamique classique Larousse. Deuxièmement, Nassimi fut un poète d'une très grande érudition. Ses intérêts et connaissances ne se limitèrent pas à la poésie et la littérature. Sa poésie contient des références à pratiquement tout l'ensemble des arts et sciences de son époque. Troisièmement, et ça c'est peut-être l'aspect le plus important, Nassimi fut une figure religieuse d'une grande notoriété. Cet aspect religieux est sans doute l'aspect cardinal de toute sa personnalité. Car le poète mettait tous ses efforts, y compris son talent poétique et ses connaissances, au service d'un mouvement religieux dont il fut aussi un des représentants de pointe. Ce courant particulier auquel Nassimi s'est donné est connu dans le monde académique sous la dénomination du ourufisme. Créé en Iran vers la fin du XIVe siècle, le ourufisme s'est reporté explicitement et en détail au Coran et aux autres traditions islamiques. Mais il faisait des sourates l'objet d'une exégèse approfondie spéciale. Les mécanismes d'interprétation dites lettristes des ourufites sont pour la plupart extrêmement difficiles à décoder. Une grande partie de ce qu'ils signifient nous reste encore et toujours incompréhensible. Mais l'essentiel du message des ourufites ne s'épuisait sans doute pas dans une exégèse compliquée et érudite de la tradition coranique, même si celle fut nécessaire pour satisfaire les attentes de l'époque. Dans une perspective plus élargie, qui vise à la contribution de l'ourufisme à la civilisation mondiale, les autres aspects de la croyance ourufite sont vraisemblablement plus importants. Ceux-ci sont constitués par les conclusions philosophiques, éthiques et religieuses auxquelles Nassimi et ses co-religionnaires sont arrivés par le moyen des susdites opérations herméneutiques. Notamment, ils ont postulé l'identité de l'homme et Allah, thèse incomparablement provocatrice aux oreilles du courant d'opinion musulman, dominant du moment, autrefois comme aujourd'hui. Quatrièmement et dernièrement, Nassimi est devenu une figure symbolique centrale dans la mémoire collective de l'Azerbaïdjan et d'autres communautés comme les Alevis de Turquie. La combinaison de sa puissance poétique, son statut de figure religieuse et sa mort tragique, augmentée par des récits plus ou moins légendaires autour de son exécution par dépouillement corporel vivo, ont fait de lui une figure martyrologique éminente dans le monde turco-musulman. La fascination pour Nassimi n'a même pas cessé en Azerbaïdjan soviétique, système ouvertement athéiste qui faisait de Nassimi quand même une de ses figures symboliques les plus efficaces. Comment expliquer la popularité de Nassimi à travers les siècles et dans les cultures si différentes, orientales et occidentales, religieuses et sécularisées? Peut-être la réponse passe par l'idée de l'amour. Ce facteur central dans toutes les communautés humaines, sans lequel on ne peut simplement pas imaginer un monde de paix et rempli de sens, occupe une place centrale dans l'œuvre de Nassimi. Une partie très importante dans la poésie de Nassimi est prise par la glorification de l'amour dans ses mille et une manifestations. Beaucoup de ses poèmes sont des gazelles qui, déjà par la forme, évoquent l'amour. Cet amour,
dont Nesimi continue jusqu'à nos jours à être l'auteur et à en faire l'objet dans le même temps, n'est pourtant pas une attitude naïve ou simpliste. Tout au contraire, Nesimi accompagne son amour ardent et passionné par un esprit critique, même polémique et parfois caustique. Tout en chantant les bonheurs et les souffrances de l'amour divin, il dirige ses armes rhétoriques hautement puissantes vers ceux qui ne sont pas sur le bon chemin ou même ont succombé aux persuasions diaboliques. S'il faut, Nesimi peut et veut frapper ses adversaires où cela leur fait mal. Tout cela fait de Nesimi une figure qui a su payer le plus cher pour ses idéaux, pour son amour, pour son dévouement à Dieu, pour ce qu'il croyait être la vérité. Sans aucun doute, Nesimi était conscient des conséquences d'une telle attitude. Dans des expressions fortes, il exprime son intention de devenir un deuxième Alaj. Ce fameux martyr avait été exécuté à Bagdad en l'année 922, après avoir exclamé « Je suis la vérité, an al-haq ». Plus qu'une fois, on peut lire dans la poésie de Nesimi « Je dis an al-haq ». Ce jour, nous vivons dans un monde qui bascule vers les ténèbres de la haine, de l'intolérance, du fanatisme, aussi de l'obscurantisme et des raccourcis simplistes. Ce jour, des voix se lèvent de ceux qui mettent l'accent sur la frontière entre eux et nous, quiconque sont ces eux et nous. Partout déjà, témoignent les conséquences dangereuses et meurtrières de cette mentalité. En Alep, ville du martyr de Nesimi, mais aussi en Europe, et particulièrement tristement, après la catastrophe de 1933 et 1945, dans mon propre pays d'origine, l'Allemagne. Dans cette atmosphère menacée, Nesimi peut, au-delà de la beauté enivrante de sa poésie, nous donner une leçon de tolérance, une leçon de transgression des frontières et une leçon aussi de la valeur de l'ambivalence. Il fut un poète de langue azérie qui citait abondamment le Coran et les traditions du prophète dans quasiment toutes ses œuvres, mais qui appartient et au même moment à un mouvement dont la science a in extenso découvert les racines chrétiennes. Nesimi reste une figure contradictoire, mais sa sincérité et l'engagement pour le bien de tous ne laissent pas planer point de doute. Il est une figure dont nous avons besoin en 2019 comme peut-être jamais avant. Je vous remercie. Chers invités, nous vous remercions de votre attention et vous invitons à suivre le concert où le royaume de la musique traditionnelle passe par une rencontre dynamique avec des sons électroniques durant lequel seront interprétées des œuvres de compositeurs les plus renommés d'Azerbaïdjan. Nous vous souhaitons une très belle soirée associée d'un magnifique concert. Merci beaucoup.
moi tiennent les deux mondes. Dans ce monde, je ne tiens pas. Je suis l'être et la perle dans les deux mondes. Je ne tiens pas. Hoş geldin ey ruh revanı, merhaba. Ey şekerler, yar şirinle mekanım, merhaba. Çünde bin cami cam oldu, nefhi ruhi. Merhaba, oh, merhaba.
hoş geldin ey hırda dahanım merhaba dadadım Mən də sığar ki cahan, mən bu cahanə sığmazam. Gövhər la məkan mənəm, kövn-ü məkanə sığmazam. جهان جهان منم من من حق مکان مکان منم من من عرش لفرش کافی نونم من شرح بیان بیان منم من من صورت من ایده حقم حق من حق ایان ایان منم من من جمله جهان کائناتم من دهر زمان زمان منم من Hüsn-i cemali bu kemaline gül Korktular hem demeye döndüler insan Ey özünden bir haber gafil oya Hakk'a gel kim hak değil hatil oya Olma fani aleme mail oya Marifetten nesne kıl hasil oya Mişkile ember saçın terhanıdır
Üçün Nesimi alemin sultanıdır. Dövranın dövran onun dövranıdır. Dövranın dövran onun dövranıdır. Two worlds can fit into me. I cannot fit into this world. I am the jewel of the placeless. I cannot fit into being and place. Welten haben in mir Platz. In dieser Welt, ach, ist für mich kein Platz. Juwel des Ortlosen bin ich. In sein und seins Ort ist für mich kein Platz.
yol eşitmen inanmam. Feryadım isyanım hiç bitmir kalbinde rahmetmen inanmam. Külakler yaysın sesimi dünyaya, orada tek sana sevgim var. Yağışlar yaksın göylerden yere, her damlada bir sevgim var. Allah'ım adına sevdadır eşitmeni ne ola. Feryadım üsyanım hiç bitmir kalbimde rahmetmene ne ola. Cabrán en mí ambos mundos, pero en este mundo no encajo. Siendo esencia sin espacio, en la existencia no encajo. Canımı yandırdı şövgün. Ey nigarım, hardasın? Gözlerim nuru, iki alemde varım. Hardasın? Feragım gel irin.
öyle büyümüşler şarabı hoşgüvarım hardasana sabrımı yağmaladı şevgün Yararım kalmadı Ey benim aramım Ey sabr kararım Haradasın Eyledim aşkın beni Eyledi aşkım beni kalxan melamet tirine Ey gözü ey kavşı gelekli Şehriyarım hardasan Saçın buyum bana her sübhüde Ta ki yandım keçti hədden intizarım hardasan Bugün eyyam eşkin serveri Ey şekerleb yar şirin rüzgarım Hardasan, hardasan, hardasan Çün nesimidir bugün eyyam eşkin serveri Ey şekerleb Yar şirin rüzgarım hardasan
两个世界可以容纳于我，可我却无法融入这个世界。我是虚无之宝，我无法融入红尘。 Oh.